Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur le thème du mariage. Au mois de juin je suis de mariage et en plus je suis témoin. Donc autant vous dire que j'ai eu une pression mais de l'espace. Et surtout j'ai eu la question, je mets quoi? Alors très clairement cette vidéo tombe à pic puisque je suis en plein dedans. Que c'est la période des mariages également. Et surtout, vous m'avez demandé par message sur Instagram ou même sous mes vidéos YouTube, est-ce que tu vas nous faire des petites idées, des petites suggestions de looks pour les mariages? Donc dans la vidéo, je vais vous proposer des idées de looks, mais également je vais vous donner certains conseils qui me semblent plutôt importants à avoir. C'est parti! On va commencer avec les conseils. Alors tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, optez pour la couleur. On veut de la couleur. Un mariage, c'est un moment de festivité, de bonheur, de joie. Et bah, faut que ça se voit dans la tenue. Du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut porter du noir à un mariage? Bien sûr que oui. Il faut savoir que le noir, c'est une couleur qui est élégante, qui est chic, qui est classe. Donc vraiment, si vous êtes plus à l'aise avec une tenue noire, mais faites-vous plaisir. Donc logiquement, on va se demander, est-ce qu'on peut porter du blanc ou du beige? Alors ça, c'est complètement personnel, mais moi je pense que vraiment le beige ou le blanc, c'est pour la mariée, c'est à la mariée, c'est son jour. Et nous, autant s'éclater avec de la couleur ou tout simplement avec une tenue noire. Alors ça peut sembler très idiot, mais franchement, choisissez une pièce où vous êtes à l'aise. C'est hyper important parce que souvent les mariages, il fait beau, il fait chaud, on transpire un peu et tout, enfin... Je pense qu'il faut être à l'aise, il faut être confortable dans une tenue. Optez pour un maximum d'accessoires, que ce soit les bijoux, que ce soit les bijoux de cheveux, que ce soit les petits sacs. Vraiment, éclatez-vous. Bon, et ça, c'est un peu mon petit conseil perso. Prévoyez toujours une deuxième paire de chaussures, hein. Parce qu'on sait très bien que la paire de chaussures qu'on adore et qu'on va mettre va nous fusiller les pieds. Pensez à prévoir un petit châle si jamais il fait un peu frais, au moins c'est pour vous couvrir les épaules. Ça reste très élégant et ça habille toujours une tenue. On passe aux idées looks. Pour les idées looks, j'ai trouvé trois pièces qui me semblent complètement dans le thème du mariage. Vous avez les robes, qu'elles soient courtes ou longues. Vous avez les combis, pantalons et les ensembles. Concernant les robes, alors vous pouvez vraiment vous faire plaisir, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, que votre robe soit de couleur, qu'il y ait des imprimés, qu'elle soit décolletée, qu'il y ait des manches longues, qu'il y ait de la dentelle, du plumetti. Enfin vraiment, il y a un choix de dingue au niveau des robes. Pour le mariage auquel je suis invitée au mois de juin, j'ai prévu trois tenues. Une pour la mairie, une pour le mariage et une le lendemain pour le brunch. J'ai essentiellement privilégié les robes, mais des robes de couleur. Je vous montre rapidement les robes que j'ai choisies donc pour le mariage. Donc pour la mairie, je vais porter cette robe rouge de la marque Claudie Pierlot. Alors ce que j'ai tout de suite adoré en fait, c'est tout le haut qui est en dentelle. Je trouve que la dentelle c'est juste sublime. Elle finit légèrement évasée, donc c'est une robe courte. Pour le jour de la cérémonie laïque, donc le jour J, le jour du mariage, étant donné que je suis témoin, c'est vrai que je me suis mis un peu la pression dans le choix de ma tenue et j'ai craqué sur cette robe de couleur orange que j'ai trouvé sur le site Asos. Le site Asos a une sélection spéciale mariage qui est juste incroyable, tant pour les femmes que pour les hommes, et vraiment ça vaut le coup. Donc ce que j'ai tout de suite aimé, au-delà de sa couleur, hein, c'est sa forme qui est un peu atypique. Elle a le dos, voyez le dos qui est nu, elle est légèrement échancrée sur les côtés, elle a le bas qui est assez souple, très fluide, qui bouge vachement bien, et j'aimais bien l'effet plissé de la robe. Pour le brunch, j'ai opté pour cette petite robe verte de chez Zara. J'ai tout de suite aimé la couleur, mais quand je vous dis que j'ai envie de couleur, on est servi. Donc elle a une coupe assez ample, on remarquera qu'au bout des manches et au bas de la robe, elle est légèrement plissée, elle est ultra légère, elle s'attache devant par des petits boutons, enfin vraiment je la trouve trop canon. Dans le choix de mes robes, on peut voir très clairement, je vous l'ai dit, de la couleur, mais aussi le jeu des matières comme avec la dentelle. Vous voyez aussi au niveau de la longueur, j'ai opté pour du court comme j'ai opté pour du long. Et du coup vous allez vous dire, mais on met quoi avec ces robes? Bon, alors pour moi, trois tenues, trois paires de chaussures différentes, hein, qu'on se le dise, pour moi c'est l'occasion de faire du shopping de l'espace. Pour ma robe rouge, j'ai choisi une petite paire d'escarpins, toujours chez Claudie Pierlot, noire, assez basse, mais plutôt élégante. Voilà, les petits escarpins avec des petits talons, c'est très mignon, c'est très élégant. Surtout quand on est plus à l'aise avec des talons plutôt bas, et ben n'hésitez pas à penser à ce modèle de chaussures avec un petit bout pointu, c'est magnifique. Alors moi je les ai choisis de couleur noire, mais sachez qu'il y en existe de couleur également. Vous pouvez très bien opter aussi pour ce type de petit escarpin. Vous voyez, les miennes elles sont argentées, elles sont méga canon. Ce sont des Stradivarius, donc ça peut aller très bien par exemple avec une robe courte. Concernant les robes longues, alors si vous êtes grande, bah tant mieux pour vous, vous ne marcherez pas sur votre robe. Mais étant donné, donc moi je fais 1m67, voilà,
vous avez l'info, je fais 1m67 et du coup la robe longue est vraiment très longue, donc il faut que moi pour le coup je sois un peu plus en hauteur on va dire. J'ai craqué pour cette paire d'escarpins dorés de chez Zara, je les trouve vraiment trop belles, elles sont super élégante, voyez. Alors le talon par contre il me semble qu'il fait 9 cm, il va falloir que je m'entraîne. Toujours dans les chaussures, vous pouvez opter aussi pour ce type de petite mule. Alors on peut penser que la mule c'est pas du tout élégant, faux. Aujourd'hui il y a des très jolies mules, voyez, comme celle-là, ce sont des Zara avec des petites boucles dorées, ça leur donne un petit côté élégant. Donc vous pouvez très bien les porter avec une robe courte ou une robe longue. Pour ma troisième tenue, je vais opter très simplement, puisque ce sera un brunch, pour mes petites chaussures vertes de chez Zara. Voilà, pour le coup je fais un total look en vert avec la robe et les chaussures, mais je les trouvais beaucoup trop mignonnes et elles sont hyper élégantes. Voilà, donc c'était la première idée de look avec des robes pour un mariage. Du coup je peux comprendre que certaines ne soient pas forcément à l'aise en robe ou n'aiment pas particulièrement mettre de robe. Mais pas d'inquiétude, j'ai la solution. Pour la deuxième idée de look de mariage, vous avez la combi pantalon. Aujourd'hui on fait des combis pantalons mais juste canon, avec de la dentelle, en soie, en mousseline, enfin vraiment il y a un choix de ouf malade. Avec votre combi pantalon vous pouvez très bien mettre eh bien, les escarpins que je vous ai montré juste avant, ou sinon des petits escarpins avec un talon un peu moins haut, ou très bien une paire de derbies. La troisième idée de look c'est l'ensemble. L'ensemble style costard, donc avec la veste et le pantalon, c'est juste trop beau. Juste là je porte un tailleur donc de la marque Escada avec un imprimé. Si vous aimez les imprimés vraiment vous pouvez vous éclater, c'est vraiment canon. Après si vous êtes plus à l'aise avec juste des couleurs un peu plus sobres, n'hésitez pas, c'est tout aussi bien. Vous mettez un petit top en dentelle ou en satin ou en soie, comme vous préférez. Au niveau des chaussures, et ben comme les deux autres idées look, vous pouvez très bien mettre des escarpins à haut talon ou petit talon, une paire de derbies, c'est super canon. Bon alors, une fois qu'on a les idées de look, qu'on a les chaussures, qu'est-ce qui manque? Les accessoires. Alors très clairement pour moi les accessoires c'est ce qui finalise votre tenue, c'est hyper important. Ne négligez pas les accessoires. Si pour le mariage vous décidez de vous faire coiffer ou de vous coiffer, pensez aux bijoux de tête, il y a des trucs trop méga canons. Vous avez aussi les serre-têtes qui sont travaillés avec des perles, avec des feuilles argentées dorées. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix. Il y a aussi des barrettes avec des strass que vous pouvez mettre juste comme ça. C'est vraiment trop magnifique. Pensez aussi aux bijoux qui brillent avec le soleil. Comme par exemple ce style de boucle d'oreille en gros strass. Voilà, c'est très canon, c'est très élégant. Vous avez aussi ce style de boucle d'oreille complètement fantasy avec des perles, des strass. Enfin voilà, assez imposant. Surtout n'hésitez pas à opter pour des bijoux assez gros, c'est vraiment très canon. Par contre si vous choisissez des bijoux gros, vous en mettez pas partout. C'est soit des boucles d'oreilles, soit un collier, soit un bracelet, mais pas la totale hein. Alors bien sûr il y a des bijoux aussi beaucoup plus fins. Et mon conseil, si vous choisissez des bijoux fins, n'hésitez vraiment pas à prendre la parure, genre le collier, le bracelet, la bague, les boucles d'oreilles, enfin lâchez-vous. Pour les sacs bien sûr on va penser immédiatement à la petite pochette ou à la petite minaudière. Voilà, vraiment faites-vous plaisir, lâchez-vous sur les couleurs, sur la brillance, sur les strass. Alors par contre, il y a une chose, mais ça c'est vraiment propre à moi-même. Il faut absolument que mon sac soit assorti à mes chaussures. J'ai besoin qu'il y ait une cohérence dans ma tenue. Alors si vous choisissez une tenue avec une couleur vive ou un imprimé ou du noir, peu importe, essayez quand même de faire une touche de rappel entre vos chaussures et votre sac. Imaginons que vous optez pour des chaussures de couleur verte, et ben essayez de faire en sorte que votre sac ait soit des touches vertes ou soit qu'il soit carrément vert. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment avoir répondu au mieux à vos questions et surtout que vous ayez trouvé l'inspiration dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des trois robes vous préférez dans mon choix pour le mariage que j'ai au mois de juin. Rendez-vous aussi sur le blog, il y a un article au sujet des idées look de mariage avec des big sélections shopping. Bon, et bien sûr la conclusion, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces si vous avez kiffé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je prends toujours le temps de vous répondre. Et bien sûr on se retrouve sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr le blog. Je vous fais de gros bisous.